Bonsoir à tous, bonsoir Madame Laville et bienvenue à cette conférence organisée par Clepsydre en collaboration avec Unitaire. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Clepsydre, donc nous sommes la tribune étudiante non partisane de Kate Vinet School Marseille. Nous avons pour vocation d'exposer les étudiants et les professionnels à l'actualité, à des problématiques politiques, économiques, sociales, à travers des conférences, des interviews et des micro-trottoirs. Et nous sommes aussi à la tête d'un concours d'éloquence pour les jeunes des quartiers défavorisés, nommé Marseille Cité Éloquente. Donc, bonjour, je me présente, je suis Calixte, chargé de conférence. Bonsoir à tous. Donc, moi, je fais partie de l'association Unitaire, donc c'est une association de développement durable et d'humanitaire au sein de l'école de commerce de Kedge. Donc, je vais décrire très rapidement l'association. Donc, c'est une association de 17 projets qui se divisent, on va dire, en 4 grands groupes. Des projets qui sont plus portés sur l'enfance, qui vont aider les enfants en difficulté, sur l'éducation, etc. Un autre grand groupe plutôt sur l'entrepreneuriat social. On va aider les entrepreneurs en difficulté dans les pays en développement. Un autre groupe qui sera porté davantage sur la société. Par exemple, on a un projet qui fait de la sensibilisation sur le handicap, etc. Au cours de cette conférence-là, l'objectif, ça va être un peu de prendre conscience de la menace qui pèse sur nous, qui est le réchauffement climatique, parce que tout le monde n'est pas forcément avisé sur le sujet, ne sait pas forcément l'ampleur du phénomène. Donc, pour répondre au mieux à cette question, donc nous avons l'honneur de recevoir Bettina Laville. Difficile à décrire votre carrière en quelques mots, vu à quel point elle est assez étoffée, on va dire. Vous avez été conseillère d'État, vous avez été docteur en lettres, lauréate de Sciences Po, vous avez été ancienne élève de l'ENA, et maintenant vous êtes présidente et fondatrice également du Comité 21. Vous dirigez également la rédaction de la revue transdisciplinaire Vraiment Durable, et enfin vous êtes membre du comité scientifique de l'IMT. Donc, autant vous dire que ça va, vous vous portez bien. Pour commencer, j'ai pas fait tout ça en même temps. Hein. Oui, vous pouvez dire de vous quand même, franchement. Pour commencer, il serait peut-être bon de rappeler un peu une liste, si on veut dire, mais des principales conséquences que vont avoir le réchauffement climatique sur l'homme et sur la santé d'ici les prochaines décennies. Alors évidemment, on ne demande pas une liste exhaustive, sinon il nous faudrait bien plus qu'une heure, mais un court résumé un peu de ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent concernant les conséquences du réchauffement climatique. Merci. D'abord, bravo pour votre engagement et toutes vos actions. Moi, je suis toujours ravie de transmettre. Il y a un moment donné où, dans votre vie, vous avez l'âge de transmettre. Pour moi, c'est quelque chose de très important. J'ai eu la chance de rencontrer, pratiquement à votre âge, des gens qui étaient sensibilisés à l'environnement, aux dangers que courait notre planète. Et comme c'était il y a assez longtemps maintenant, ces gens-là étaient extrêmement en avance parce que finalement, on a parlé de tous ces problèmes que bien après la conférence de Rio, même à la conférence de Rio en 1992, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas se rendre compte des oppositions que nous rencontrions, nous, les gens engagés, même quand on était comme moi, j'avais la chance d'être à l'Élysée auprès du président de la République, j'ai coordonné la conférence de Rio. Et j'avais toutes sortes de camarades de promotion qui me disaient « Enfin, Bettina, t'es pas trop idiote, pourquoi tu vas te perdre dans ces sujets ridicules ?» Je veux dire, on en était là en 92 et c'est pas une anecdote que je vous dis, c'est comme on dit du vécu. Bon. Aujourd'hui, les choses ont changé, je dirais malheureusement, finalement j'aurais adoré me tromper, parce que si je m'étais trompée avec beaucoup d'autres, ça veut dire que la planète serait en meilleur état. Malheureusement, les gens qui ont été sensibilisés très tôt à ce sujet, non seulement ne se sont pas trompés, mais à mon avis, ne pensaient pas voir les phénomènes que nous décrivions devoir arriver un jour, arriver. Je dis, mes filles, j'ai des filles, me disent toujours que, par exemple, les amis de mes filles ont été frappés du fait qu'elle n'était pas trop bouleversée par la pandémie et ses conséquences. Et elles répondent, finalement, notre mère nous a tellement habitués au fait qu'on aurait un 21e siècle difficile qu'on se sentait préparé.
Cependant, je ne pensais pas, moi, voir de mon vivant ce que je vois, c'est-à-dire une pandémie, peut-être, sûrement, on ne sait pas encore, due à une zoonose. Deuxièmement, des phénomènes climatiques qui font que, par exemple, Texas subit de très, très grands froids. Troisièmement, une montée du niveau des mers qui commence à être extrêmement impactante, et le fait qu'aujourd'hui, on parle de ce fameux 2 degrés qu'on ne devrait pas dépasser avant la fin du siècle, et tous les gens un peu lucides savent qu'on va le dépasser, quoi qu'on fasse aujourd'hui, quoi qu'on fasse, à la fin de 2040. Voilà. Donc, je ne pensais pas du tout, voir ça de mon vivant. Je pensais que c'était pour les générations de mes enfants, voire de mes petits-enfants. Donc, pour illustrer votre première question, je suis désolée de commencer par des choses qui ne sont pas forcément optimistes, mais c'est effectivement une accélération des choses que l'on voit. Alors pourquoi, avant de passer au sujet de la santé, pourquoi cette accélération? Parce que le temps de la conscientisation, de la lucidité, tout simplement, a mis, nous espérions, finalement, quand est-ce que ça a commencé toutes ces conférences? Ça a commencé par la conférence de Stockholm en 1972. Je vous rassure, j'y étais pas, d'accord. Ça a commencé véritablement en 1992. Et en 1972, moi, je faisais mes études, j'entendais parler de cette conférence, mais ce n'était pas du tout un événement important, c'était une conférence parmi d'autres. Et ce qui s'est passé entre 1972 et 1992, c'est d'avoir un certain nombre de catastrophes, comme Bhopal, comme Tchernobyl, etc., qui a évidemment secoué un peu les gens. Et deuxièmement, ça a été le fait que les Américains, parce que c'est aux savants américains qu'on le doit avant tout, se sont rendus compte du réchauffement climatique. Mais malheureusement, les politiques, et particulièrement les politiques comme, pour ne pas nommer le président Nixon, a totalement stoppé ce qui aurait dû être une conférence sur le climat 10 ans avant. Bon. Donc, il a fallu attendre 92. Donc, déjà, on a perdu 10 ans. Et puis, de 92 à l'accord de Paris, à peu près, eh bien, ça fait quand même là plus de 20 ans. On a reperdu 20 ans. On n'a pas rien fait. On a étudié les mécanismes. On a sensibilisé la société civile. On a fait des conférences internationales qui ont permis au pays, peu à peu, de se rendre compte non seulement du réchauffement climatique, mais de l'impact que le réchauffement climatique allait avoir sur la vie de tous les jours des populations, particulièrement sur les plus pauvres, allait avoir sur la santé humaine, c'est notre sujet, allait avoir sur l'ensemble de la planète et de la biosphère, c'est la biodiversité, etc. Donc, finalement, si vous voulez, c'est très, très court et très, très long. C'est très long, pourquoi? C'est très long parce que la nature, pour très certainement la première fois de l'histoire humaine consciente, va plus vite que nous. Et ça, c'est un bouleversement, j'allais dire, ontologique, spirituel, absolument extraordinaire. Ce que nous avons provoqué comme bouleversement sur la nature entraîne des changements plus rapides que l'aptitude des hommes à trouver des solutions face à ce changement. Et ça, c'est vraiment l'épine dorsale de cette affaire, c'est-à-dire que d'habitude, la nature était immuable et nos vies passagères. Ça continue d'ailleurs. Sauf que la nature n'est plus immuable et les phénomènes naturels s'emballent pendant que nos vies d'ailleurs se sont allongées. Ça, c'est assez intéressant au niveau de la durée de vie mondiale. Et par conséquent, il y a non pas un inversement, n'exagérons pas, mais il y a un changement de dimension qui est extrêmement important. Donc ça, c'est la première raison. Mais on a perdu 25 ans, mais peut-être que tout simplement, on ne savait pas, en fait, on ne savait pas rentrer dans l'action. Il y a du bruit à côté de moi, je ne sais pas si vous entendez trop, non, ça va ? Non, ça va. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que
Par rapport à l'action, moi j'entends beaucoup de gens de vos générations dire que finalement l'histoire climatique a commencé à l'accord de Paris. Non. D'abord, l'accord de Paris est un accord extrêmement important, mais contrairement à la publicité qui en est faite, il n'est pas contraignant. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que les NDC, c'est-à-dire les contributions nationales, c'est-à-dire les engagements des pays qui sont en ce moment envoyés au secrétariat de la conférence, ne sont pas des engagements extrêmement allants, d'autant plus que les pays, tous les pays du monde entier est sur pause en ce moment à cause de la pandémie. Donc, même si, et ça c'est vraiment important, je voudrais le dire, même si les plans de relance, les plans de relance qui aujourd'hui tiennent compte, sont green, comme on dit, Green Deal, etc., c'est-à-dire tiennent compte vraiment de la transition écologique alors qu'auparavant ils n'en tenaient pas du tout compte. Regardez par exemple la relance de 2009-2010 après la crise de 2008 n'a pas du tout été écologique. Celle-là, oui. Donc, ça veut dire qu'on a compris. Mais malgré ça, il faut bien dire que les pays préservent avant tout leur population, sont inquiets évidemment de ce qui va se passer après la pandémie. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas un schisme entre avant l'accord de Paris et après l'accord de Paris. D'autant plus que l'accord de Paris est une reprise beaucoup plus concrète, beaucoup plus active, mais une reprise de la Convention climat en 1992. Néanmoins, moi je crois beaucoup en votre génération, les marches sur le climat le prouvent, les engagements personnels, et surtout la conscience un peu douloureuse évidemment, hein, du fait que vous n'allez pas bénéficier pendant votre vie d'une terre dont ma génération a bénéficié. Alors, il faut quand même relativiser ça un peu parce que, évidemment, ça va être un certain nombre de phénomènes tout à fait impactants. Quand je regarde, moi, la génération de mes parents et de mes grands-parents, ils ont connu deux guerres, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on ne peut pas non plus dire que la génération, j'entends beaucoup de jeunes dire que vraiment ça va être épouvantable dans le siècle qui va venir et qu'avant c'était beaucoup mieux. Ben non! C'est vrai que nous, les gens du baby boom, hein, les fameux boomers tant critiqués, on a vécu une période en Occident, hein, en Occident et dans l'hémisphère nord, enfin, dans certaines parties de l'hémisphère nord, relativement tranquille et heureuse, mais d'abord pas dans tous les pays du monde, tant s'en faut, et d'autre part, il ne faut pas mesurer le bonheur de l'humanité à l'aune de 20 ou 30 ans, simplement. Je veux dire, il est évident qu'il y a un combat de la nature et de l'homme, même si la nature est nourricière, etc., il y a toujours eu un combat et de l'humanité contre elle-même. Voilà. Alors, au point de vue de la santé, qui était le cœur de notre sujet, et mon introduction est beaucoup trop longue, mais ce qu'il y a, si vous voulez, de très important, c'est que les changements climatiques interfèrent sur l'homme, la santé humaine de chaque individu, la santé de l'humanité et la santé de la biosphère. Et je suis co-auteur avec Corinne Lepage de ce qu'on appelle la Déclaration des droits de l'humanité, la DDHU, qui avait été initiée au départ par le président Hollande et puis maintenant qui est signée par beaucoup de gens de la société civile. Curieusement, ce n'est pas une déclaration qui est signée beaucoup par les États, mais qui est signée par la société civile, les collectivités locales, les ONG, les universités, etc. Et cette DDHU est très intéressante par rapport à notre sujet parce qu'elle met au cœur des grands principes les droits et les devoirs de l'humanité et elle quitte un peu le champ des droits individuels tels qu'ils ont été formés au moment de la Révolution, c'est toute la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, et également en fait dans le même esprit après la Seconde Guerre mondiale, avec toutes les déclarations des droits sociaux au moment de la formation de l'ONU et de la création de l'ONU. Et aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que, c'est pour ça que je parlais de santé et d'humanité,
Nous avons un destin collectif, y compris dans nos destins individuels. Et vous voyez bien que la pandémie en est une illustration absolument extraordinaire. Le déséquilibre des forces. Alors, on ne sait pas aujourd'hui, faut quand même être honnête, on ne sait pas aujourd'hui, à mon avis, l'Organisation mondiale de la santé s'est fait un peu avoir, consciemment ou pas, j'espère inconsciemment, par la Chine quand l'enquête a été faite sur les origines de la pandémie. Et donc, on a déclaré que c'était une zoonose, etc. C'est peut-être aussi un virus échappé d'un laboratoire. Vous voyez bien les articles en ce moment depuis 3 jours. Le sujet monte, comme on dit. Bon, on verra. Mais à la limite, peu importe, parce que on sait parfaitement que notre siècle va être nourri de zoonoses, c'est-à-dire en fait de maladies qui traversent les espèces, tout simplement parce que les milieux, et en particulier les milieux forestiers, sont détruits par l'homme, et que ça fait un extraordinaire déséquilibre biologique. Et par conséquent, nous allons être beaucoup plus, sensibles et beaucoup plus les victimes de ce mélange, entre guillemets, de milieux. Il y a un ordre naturel, il y a un ordre dans la nature, et aujourd'hui, nous vivons un désordre. Deuxièmement, le réchauffement climatique va faire dégager des virus que peut-être nous ne connaissons pas. Ceux qui sont les plus inquiétants, c'est ceux qui sont dans les zones du nord, avec le dégel très très important et extraordinairement exponentiel en ce moment, des glaces du pôle nord et également en Sibérie, eh bien des virus anciens vont être libérés. Or le problème, c'est que ces virus anciens, par définition, nous ne savons pas les soigner, je veux dire. Puisque d'abord, la science n'était pas à un tel point quand il ravageait des espèces, d'ailleurs on ne sait pas du tout quelles espèces, évidemment la science n'était pas au point de soigner, et par conséquent nous avons un risque énorme qui plane au-dessus de nos têtes là-dessus. Et donc ça, c'est des problèmes pour évidemment non seulement la santé humaine individuelle, mais la santé de l'humanité, parce qu'en même temps, et on l'a bien vu avec la pandémie, nous avons un système d'organisation économique qui fait qu'un droit, le droit de la mobilité, le droit à finalement être partout, je crois que c'est le droit à être partout qui caractérise notre époque, hein. Eh bien, le droit à être partout est totalement exercé, donc nous allons dans le monde entier, et on a bien vu le trajet, en l'occurrence de la COVID, qui tout d'un coup est parti de Chine, ça on le sait à peu près, et qui tout d'un coup est arrivé en Espagne, puis en Californie, puis en Indonésie, puis chez nous. Je veux dire, voilà. Et ça, évidemment, transporté par cette hôte naturelle qui est l'homme, et qui était porteur du virus. Donc en fait, avant, il y avait des épidémies énormes comme la peste, etc. On arrivait à les circonscrire dans des pays ou dans des villes, et c'est bien pour ça qu'on enfermait les pestiférés, justement, dans des espaces en dehors des villes. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Je veux dire, nous transportons les virus en exerçant ce droit acquis, c'est-à-dire le droit de circuler, qui est d'ailleurs en plus en France inscrit dans la Constitution. Donc là, on a des risques énormes. Nous avons aussi un risque énorme, tout simplement, à cause de la chaleur. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais les 5 dernières années ont vu des températures, par exemple en Inde, franchir les 60 degrés. Je crois qu'on ne se rend pas compte. Bon, le problème, c'est que la régulation du corps humain est faite de telle manière qu'à partir d'un certain degré, vous ne transpirez plus. Et par conséquent, le corps humain ne fonctionne plus. Et aussitôt que la température de 41 degrés est franchie, en fait, on meurt tout simplement. Et vous avez effectivement un risque de plus en plus important. Et il faut bien dire que les infrastructures ne sont pas du tout préparées à ça. Moi, je réfléchis beaucoup à ça et je fais partie d'une ou deux initiatives. Là-dessus, il y a un article d'un ancien président adjoint de la Banque mondiale qui
M. Badi, qui est très intéressant dans le monde, il est d'ailleurs encore dans le monde, quand on regarde le monde au niveau de digital, si j'ose dire, et qui dit que, en fait, les actions, attendez, excusez-moi, je vais dire un peu de parce que là, je crois que le ton monte pour 30 secondes. Allez-y. On espère que ça vous plaît. Hein. En tout cas, nous, c'est cool. Oui, excusez-moi. Et donc, en fait, nous avons de plus en plus des pays qui ne sont pas préparés à ce type de chaleur extrême. Pourquoi ? Parce qu'on se prépare à ce type de chaleur extrême d'abord par des habitats. Ce sont très souvent d'ailleurs des habitats anciens qu'on a perdus. Et aujourd'hui, la construction et la rapidité de la construction, en l'occurrence, fait qu'elle n'est absolument pas thermorégulée, comme on dit, et par conséquent, nous ne sommes pas préparés à tout ce qui est extrême, aux chaleurs extrêmes ou au froid extrême, puisque en fait, on va avoir les deux. C'est le fameux exemple du Texas que je disais au début, dont je parlais au début, qui est que le Texas, terre très chaude, devient très froide. Bon, c'est en fait, si vous voulez, le fameux film, hein, je veux dire, qu'on a tous vu, qui est sorti à peu près il y a 10 ans, hein, After Day, c'est-à-dire brusquement, eh bien, vous avez la côte est des États-Unis qui se met tout d'un coup à geler complètement, ainsi que toute une partie de la Terre, tout simplement parce que nous avons une énorme inconnue dans cette affaire, c'est le Gulf Stream et en fait la manière dont le mélange des eaux froides et des eaux chaudes, qui pour l'instant est à un équilibre précis avec la température ambiante, je veux dire, c'est-à-dire bon, plus d'un degré, ce qui est déjà énorme par rapport à l'équilibre naturel, mais ce qui maintient quand même le Gulf Stream à peu près à sa trajectoire, à partir du moment où on dépasse le 1 degré, ben on ne sait pas très bien quelle trajectoire va prendre le Gulf Stream. Et si le Gulf Stream, c'est le Gulf Stream qui permet nos températures tempérées, je veux dire, hein, des deux côtés de l'océan Atlantique. Et là, nous avons effectivement un risque tout à fait énorme. Quatrième observation, c'est tout ce qui est changement climatique, biodiversité et santé humaine. Autrement dit, le changement climatique fait que des espèces disparaissent, et ces espèces disparaissent font que nous perdons des espèces qui produisent des médicaments tout à fait précieux, en tout cas, elles sont raréfiées. Et que, et c'est peut-être ce qui est le plus grave, nous perdons des espoirs de médicaments que nous ne connaissons pas encore, en particulier dans toutes les forêts tropicales, tout simplement parce que c'est dans les forêts tropicales qu'on trouve les espèces les plus rares et des essences qui ont des propriétés thérapeutiques tout à fait extraordinaires. Nous en connaissons beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup qu'on ne connaît pas. Et il est évident que la disparition de ces espèces fait qu'on aura très certainement moins de remèdes, ou alors que les remèdes seront de plus en plus technologisés, et ça, c'est une des solutions. Encore faut-il que la technologie s'engage vers ce qu'on appelle le bien commun. On le voit en ce moment avec l'histoire des vaccins. Hein. La production, la technologie humaine permet de produire des vaccins dans un temps absolument record, comme jamais au monde, avec certes beaucoup d'argent. Et puis après, qui en bénéficie ? Ben, il est évident que comme le vaccin est une denrée commerciale, on voit bien qu'elle fait objet de spéculation. Hein, on trouve tout d'un coup, comme par hasard, des doses de vaccins énormes stockées, on ne sait pas pourquoi. Et surtout, les pays du tiers-monde en bénéficient absolument pas. Donc, en fait, si vous voulez, le réchauffement climatique est une cause de bouleversement de tous nos équilibres, de toutes nos vies, en fait, mais profondément de notre santé. Et d'ailleurs, on peut peut-être
considérer que nous avons vécu pendant tout un moment dans un allongement de la vie humaine, que cet allongement de la vie humaine a subi un arrêt avec la pandémie. Les statistiques ne sont pas encore faites, mais le fait, alors je veux dire, il y a des cyniques qui disent, finalement les gens de 90 ans qui meurent à 90 ans ou à 92 ans, c'est la même chose. Bah, premièrement, non, je veux dire, quand même savoir que l'humanisme consiste à dire non. Et deuxièmement, surtout, globalement, quand vous regardez ça par rapport à l'humanité, eh bien, ça veut dire que l'espérance de vie diminue, et donc c'est le contraire du progrès, et qu'à partir du moment où vous avez une espérance de vie qui diminue avec des facteurs qui sont des facteurs multipliés par le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, ce qu'on appelle le stress hydrique, parce que je n'ai pas parlé de l'eau, mais c'est finalement presque le principal problème de la santé humaine, hein, je veux dire, c'est-à-dire l'accès à l'eau, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour lutter contre ça? Alors, nous avons un système onusien auquel moi je reste extrêmement attachée, qui a produit ce qu'on appelle les ODD, les Objectifs de Développement Durable. Au comité 21, par exemple, nous prônons les ODD, nous les prenons aussi, mais on les prône surtout, les objectifs de développement durable. Ce n'est pas simplement une énumération de principes technocratiques, parce qu'ils sont déclinés dans tous les pays, il y a des villes qui les déclinent, il y a des régions qui les déclinent. J'ai ouvert tout à l'heure une session des objectifs de développement durable à Grenoble, par exemple, où le maire de Grenoble s'engage sur les ODD. Mais on a aussi des réticences. Je commençais mon exposé en vous parlant des réticences. Hier, il y a eu à l'Assemblée nationale une proposition de loi d'un député qui a justement fait une proposition de loi pour intégrer les objectifs de développement durable dans des différents documents français, budgétaires, etc. Alors, la proposition de loi a été refusée, ça arrive, mais surtout elle a été moquée par un certain nombre de députés qui ont dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce machin, c'est de la technocratie qui ne sert à rien et tout. Or, c'est exactement comme on reste sur les trajectoires qui essayent de ne pas dépasser les 2 degrés, on doit rester sur des trajectoires. Et vous avez, donc, la santé humaine est déclinée dans un ODD extrêmement précis, on doit rester sur des trajectoires qui font que, et ça c'est la déclaration des droits de l'humanité qui justement le dit, l'humanité doit rester viable, en fait. Et c'est cette viabilité. Finalement, quand vous aviez la déclaration de 89, etc., c'était les droits et les libertés. On voit bien aujourd'hui l'immense conflit qu'il y a entre l'exercice de nos libertés individuelles et puis l'exercice du droit collectif de continuer à vivre, non seulement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan global de l'humanité. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Alors, je ne sais pas si c'est une introduction, mais c'est forcément très long, mais on m'a dit qu'il y avait plein de questions. Très bien, bah, merci pour votre réponse qui était vraiment très complète et très intéressante. Donc maintenant, on voudrait savoir pourquoi, selon vous, quand on pense aujourd'hui au réchauffement climatique, on pense avant tout aux conséquences économiques et moins aux conséquences sur la santé humaine. Est-ce qu'on peut considérer en quelque sorte que la prise de conscience des enjeux du réchauffement climatique, elle est encore assez partielle? Alors, pour deux raisons. La première, c'est que on est assez heureux qu'enfin les milieux économiques aient conscience des effets sur l'économie du réchauffement climatique. Il faut quand même vous dire que, par exemple, dans les années de commencement de tout cela, autour de la conférence de 92, etc., les grandes entreprises finalement voyaient toutes les questions environnementales comme des empêcheuses de produire en rond, si j'ose dire. Et donc, ce qu'on appelle les lobbies étaient là pour contrecarrer un petit peu toutes les propositions, et en particulier au nom du principe de précaution, comme étant mauvais pour les affaires, et on était resté sur la fameuse doctrine libérale que, de toute façon,
tout ça s'équilibrerait. Et autrement dit, il y avait un refus terrible de ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire, en fait, l'entreprise s'occupait d'elle-même et ne considérait de manière absolument claire qu'elle ne relevait pas à l'extérieur, elle considérait que de sa propre entité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez eu deux rapports, en fait, très, très importants dans les années 2010, qui ont parlé du coût du réchauffement climatique. En fait, vous avez eu deux rapports différents. Le premier rapport a dit est-ce que vous vous rendez compte du coût que va faire pour l'économie les dégâts dus au réchauffement climatique ? Donc, est-ce que et brusquement, il y a eu la mesure économique du réchauffement climatique. Il y a eu un autre rapport qui a été plus malin, si j'ose dire encore, et qui a dit est-ce que vous vous rendez compte à quel point investir dans la lutte contre le réchauffement climatique est facteur de richesse. Autrement dit, l'économie verte, en fait, pour aller vite, c'est un facteur de richesse. Et donc, le secteur économique s'est emparé à ce moment-là de ça. Ça a été très important. En gros, le cumul de ça, ça a été la conférence de Johannesburg en 2012, parce que les entreprises qui sont vraiment rentrées là, dans le processus onusien se sont dit... Non seulement nous pouvons être des acteurs qui collaborent au bien public mondial, hein, mais nous pouvons aussi gagner de l'argent et continuer à être rentables dans cette lutte. Ça a été extrêmement important parce que ça a permis de, que les entreprises ne restent pas à l'écart, ne soient pas hostiles à ce mouvement. Maintenant, vous avez l'autre école, qui est une école qui était plus ancienne et qui aujourd'hui est très difficile à manier à l'ONU, qui est en fait une école plus spirituelle qui dit que la nature n'a pas de prix parce que finalement, il y a une sacralisation de la nature et ce qui est sacré n'a pas de prix. Mais en même temps, dans notre société, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Et ce qui n'a pas de valeur n'est pas conservé. Donc, vous voyez, c'est très, très compliqué. Voilà. Donc, en fait, c'est un équilibre entre les deux. Évidemment, le débat s'est beaucoup focalisé, par exemple, autour du prix du carbone, etc., des quotas carbone et tout. Moi, je suis une farouche défenseuse, en l'occurrence, de la taxe carbone, mais vous voyez les problèmes de l'acceptabilité dans tous les pays, d'ailleurs, de la taxe carbone. Et il n'y aura pas de taxe carbone acceptable sans équité, sans justice sociale. Il n'y aura surtout pas de taxe carbone à partir du moment où il n'y aura pas une refonte totale du système des impôts et où on s'habituera peu à peu à taxer beaucoup moins, en l'occurrence, l'emploi, enfin le travail, que le capital naturel. Et ça, c'est comment dirais-je, une des clés du problème. Voilà, donc ça, c'est une des réponses que j'ai à vous faire. De toute façon, toutes ces questions, c'est une articulation très fine entre le public, le secteur public et le secteur privé. Je dois dire qu'il y a des signes quand même plus positifs, en particulier toutes les directives européennes sur l'extra-financier, et sur le fait que les grandes entreprises, en tout cas en Europe, et maintenant il y a une révision en ce moment de la directive sur l'extra-financier, peu à peu les entreprises de plus petite taille vont avoir des obligations pour donner des informations sur la manière dont elles traitent l'environnement et le climat. Alors, d'accord, merci. Merci pour votre réponse. J'avais une autre question, donc ça concernait... On a vu de nombreux rapports qui sont plus qu'alarmants, notamment le rapport rédigé par l'équipe de William Ripple qui a été signé par plus de 11 000 scientifiques qui déclarent l'urgence climatique. Et malgré tous ces rapports urgents, on voit quand même dans tous les États du monde une certaine défiance. On voit les États-Unis de Donald Trump, d'ailleurs il a dit le concept de réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois dans le but de reprendre l'industrie américaine non compétitive.
Donc on voit là que Donald Trump n'est absolument pas concerné par le réchauffement climatique. Il est battu, hein, comme vous savez. Oui, bien sûr, mais on voit le Brésil de Bolsonaro, la Russie de Poutine, même l'Australie pollue énormément. Comment est-ce que vous pouvez expliquer encore cette défiance malgré l'urgence et comme vous avez dit, qu'il y a quand même une sorte de richesse à avoir avec l'économie verte, etc. J'ai envie de vous dire que je ne me l'explique pas, tout simplement. Outre le fait que je le déplore, je pense que il y a deux choses. Il y a d'abord, en fait, un certain cynisme qui privilégie toujours le court terme au long terme. C'est plus compliqué qu'on ne croit. Par exemple, tous les efforts que certains pays font en matière climatique ne vont pas être récompensés dans les 20 ans, je veux dire. Ils vont être aujourd'hui, de toute façon, la masse de CO2 qui est dans l'atmosphère est immobile pendant assez longtemps, très longtemps. Donc ça veut dire que les efforts qu'on fait, ils seront visibles à la fin du siècle. Les efforts qu'on fait, c'est pas du tout, et ça je trouve qu'on ne nous le dit pas, au public avec assez de franchise, peut-être d'ailleurs que c'est pour ne pas le désespérer. Les efforts qu'on fait, c'est vraiment au nom de l'humanité. C'est pour ça qu'on passe de l'individu à l'humanité, ou plutôt du bien-être individuel au bien-être de la planète globalement, et même de la biosphère, c'est-à-dire qui englobe l'humanité, certes, mais les autres espèces vivantes. Tout simplement parce que les trajectoires, même si on les change, elles n'auront pas d'influence sur l'atmosphère avant la fin du siècle. En revanche, si on ne les change pas, ça sera infiniment plus grave. C'est-à-dire que, vous savez, il y a le prochain rapport du GIEC qui va être publié l'année prochaine. Et à chaque fois, moi, depuis que je connais la publication des rapports du GIEC, vous avez toujours un scénario pire que celui précédent. C'est-à-dire, le pire devient le presque moins pire. C'est quand même un sujet important. Bon. Et donc, si vous voulez, vous avez aujourd'hui, finalement, une espèce de cynisme qui consiste à choisir le court terme, et après tout, si on nourrit sa population avec la destruction de la forêt amazonienne, etc. Deuxièmement, alors ça c'est le cynisme. En principe, les peuples balayent les cyniques, pas toujours, mais souvent. C'est arrivé avec Trump, j'espère que ça va arriver avec Bolsonaro, mais c'est pas sûr. C'est quand même assez bien parti, d'après ce qu'on me dit, mais c'est pas sûr. Alors, il y a autre chose, c'est quand les cyniques sont en plus des dictateurs, parce que les cyniques ne sont pas toujours des dictateurs. Trump était cynique et court-termiste, mais ce n'est pas un dictateur tout simplement parce qu'il est protégé par la Constitution américaine. Idem au Brésil. La Constitution du Brésil est quand même une constitution d'une grande démocratie. Évidemment, Poutine, c'est autre chose. Alors, l'exemple tout à fait extraordinaire, c'est le cynisme dans une grande démocratie comme l'Australie. Bon, là aussi, on espère que ça va changer. Mais voilà, ça c'est la première. La deuxième chose qui est beaucoup plus intéressante, c'est les problèmes de compétitivité. Il est absolument évident que il faut un accord mondial pour que le soin donné à l'environnement ne soit pas pénalisant sur le plan compétitif. Et c'est pour ça que les règles de l'OMC doivent être absolument changées. Le drame de l'Organisation mondiale du commerce, c'est que ce qu'on appelle les clauses sociales et les clauses environnementales ne sont pas assez puissantes et que certains pays même ne les appliquent jamais. Mais tant que vous n'aurez pas une réglementation du commerce mondial par rapport à ces clauses, alors évidemment ça arrivera. Ça arrivera simplement quand il y aura de telles catastrophes que tous les pays se rallieront à ces clauses et ne sauront pas le faire. Alors un élément quand même positif, c'est que ceux qui il y a 25-30 ans étaient les plus opposés à la perte de rentabilité à cause des mesures environnementales, c'est-à-dire les très grands patrons, y compris les grands patrons des États-Unis,
commencent à faire des alliances très importantes parce qu'ils se rendent bien compte, sûrement je leur fais cette confiance au niveau du bien commun, mais aussi au niveau des affaires. Et par exemple, c'est la grande raison pour laquelle en ce moment les gens se désinvestissent, enfin beaucoup de grands patrons se désinvestissent dans le charbon. Bien entendu, parce qu'ils ont compris que c'était ce qui polluait le plus l'atmosphère et donnait le plus de CO2, mais aussi parce que les grands fonds d'investissement aujourd'hui ne vont plus investir dans des entreprises qui ou bien produisent du charbon ou bien qui utilisent du charbon dans leurs activités. Et ça, c'est un investissement. L'exemple le plus extraordinaire en France, c'est Total. Je veux dire, l'interview express de Total, du président de Total, Pouyanné, qui, alors lui, c'est mignon, il dit « J'en ai marre de te présider une entreprise qui n'est pas aimée, qui est considérée comme le plus grand pollueur de la planète. » Bon, c'est une boutade, évidemment. Le problème, c'est qu'il s'est rendu compte que les investissements dans le pétrole sont beaucoup moins rentables qu'avant et qu'il faut donc faire bouger le navire Total pour que l'entreprise garde sa richesse. D'accord. Merci pour votre réponse. Donc maintenant, selon l'Observatoire international climat et opinion publique en 2019, 31% des habitants dans le monde seraient climato-sceptiques. Donc bien qu'il faille toujours prendre du recul sur ce type de chiffres, il est indéniable que le climato-scepticisme est encore présent et qu'il prend de l'ampleur dans certains pays, notamment aux États-Unis. Comment expliquer cela et comment en fin de compte y faire face? Est-ce qu'il y a un moyen d'y faire face concret? Alors d'abord, moi je trouve que c'est une extraordinaire nouvelle et une très bonne nouvelle parce que il y a, je ne peux pas vous citer le chiffre, mais il y a encore 10 ans, c'était le double. Donc, le chiffre de 31%, qui est donc, ça veut dire que les deux tiers de l'humanité ne sont pas climato-sceptiques. Mais c'est la meilleure nouvelle de la soirée. Moi, je n'avais pas vu cette étude, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Bon. Alors, pourquoi 30% des gens restent climato-sceptiques? Pour trois raisons qui n'ont rien à voir. La première, c'est des raisons religieuses. Quand vous êtes persuadé que vous avez un Dieu qui décide de tout et qui, de toute façon, ne fera que inéluctablement, peut-être pour punir la pauvre humanité, la Terre se réchauffera ou la Terre se refroidira, bah, vous êtes climato-sceptique puisque, en fait, c'est dans la volonté de Dieu, donc ce n'est pas dans la main des hommes et dans la volonté humaine d'infléchir les types de production. Et ça, c'est quand même très important dans le monde. Hein. Je veux dire, vous avez quand même des pans entiers, et c'est vrai, on pense évidemment aux musulmans extrémistes, mais vous avez aussi toutes sortes de doctrines ou chrétiennes dévoyées aux États-Unis ou bien des sectes hallucinées qui pensent ça. Donc voilà, donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, en fait, c'est la difficulté du sujet. C'est-à-dire, en fait, c'est un sujet quand même très complexe. Regardez, comment faire comprendre aux gens, par exemple, que leurs efforts ne serviront à rien dans les 20 ans à venir et qu'il faut les faire quand même. C'est extrêmement compliqué. Comment faire comprendre aux gens la complexité du sujet? Je veux dire, vous savez, c'est Trump qui sort et qui dit « Ah oui, ça se réchauffe, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il neige, enfin, ce genre de bêtise. » Bon, on l'a vu faire ça, lui. Hein, bon. Et il était absolument évident que la complexité du sujet, par exemple, qu'en fait, ce n'est pas un réchauffement climatique, c'est un bouleversement climatique. Que le réchauffement climatique, il est global, mais que dans des régions, il va faire infiniment plus froid. La complexité du sujet est extrêmement importante. Et le troisième sujet, et ça, c'est vrai pour tous les pays, y compris le nôtre, c'est que l'éducation de ce type de sujet est nulle. Je ne sais pas si vous, à votre âge, que vous avez appris
à l'école élémentaire et ensuite en 6e, 5e, 4e, jusqu'au bac, etc. Mais vous avez dû avoir des petits bouts de sujets de temps en temps comme ça, mais pas un gros enseignement. Et il y a une mission autrement qui est présidée par Jean Jouzel, l'ancien président, vice-président du GIEC, hein, sur l'éducation au changement climatique. Moi, je suis allée parler dans cette instance, parce qu'on m'a invitée. J'étais un peu violente. Je leur ai dit, écoutez, dans ma carrière, tout au début de ma carrière, je me suis occupée d'éducation à l'environnement. J'avais une mission au ministère de l'Éducation nationale. Eh bien, je peux vous dire que j'ai regardé avant d'aller vous voir les programmes, c'est la même chose. Donc, ça n'a pas bougé en 40 ans. C'est un petit sujet quand même, ça, je veux dire. Alors, voilà. Et donc, ça, c'est une raison absolument énorme et tout à fait dramatique. D'accord. Merci pour votre réponse. Je vais passer à la dernière question avant les questions du public. Donc, on sait toutes les conséquences du réchauffement climatique qui sont assez, comme toutes celles que vous avez dites, assez effrayantes finalement. Est-ce que vous pensez qu'il faudra imposer l'écologie par la contrainte ou est-ce qu'il y aura un changement de mentalité qui va s'effectuer et ça suffira? C'est Michel Barnier, vous savez, quand il avait pris le poste de ministre, c'était en 93, c'était ministre de l'Environnement en 93-95. Nous avons exactement le même âge, lui et moi, on se connaît bien et on est de la même année. Et il avait dit le contrat au lieu de la contrainte. Ma conviction intime, c'est que très vite, on devra recourir à la contrainte. J'aurais tellement aimé ne pas vous dire ça. Mais ça fera des troubles très importants. Quand je dis troubles, c'est parce que je n'ai pas envie de vous gâcher l'apéritif. Mais franchement, ça fera des conflits très importants. À un moment donné, les dirigeants seront obligés de prendre des mesures contraignantes, voire parfois des suspensions de liberté publique pour sauver les populations, etc. La pandémie est un exercice très intéressant là-dessus, très très intéressant là-dessus. Les gens refusent certaines contraintes qui peuvent, alors c'est compliqué parce qu'il y a tellement d'opinions contradictoires, mais qui peuvent sauvegarder le maintien d'un système hospitalier, sauvegarder des vies, etc. Mais pourquoi moi je me contraindrais alors que je ne suis pour rien dans le manque de moyens de l'hôpital, etc., etc. Et si ces mentalités n'évoluent pas, on va au devant de catastrophes. Donc, je pense que oui, de plus en plus, nous serons obligés de vivre un certain nombre de contraintes. Très bien. Merci pour cette réponse, qui n'est pas très... Oh. Nous allons maintenant passer aux questions du public. Donc, la première question de Coluche. Bonsoir, y a-t-il un mode de vie alternatif assez fort pour nous convaincre de quitter ce monde de vie de surconsommation? Alors, assez fort, ce n'est pas tellement le sujet, c'est assez attractif, en fait. C'est ça la question. C'est-à-dire quelque chose qui nous fasse envie. Bon. Alors moi, par exemple, j'ai toujours pensé que la décroissance était vraiment un épouvantail, je veux dire. Pas à cause du fait qu'on lance la croissance, à cause du préfixe « des », vous voyez. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez accablant. Et d'autant plus que ce qui est intéressant dans tous les concepts de développement durable, c'est que c'est valable pour le monde entier. Allez donc raconter que la décroissance, c'est formidable au Bénin, ou ce genre de choses. Bon, donc je pense que il faut trouver. Alors, il y a le terme de sobriété. Vous savez, il y a sobriété heureuse, etc., etc. Ce que je crois, c'est que un mode de vie alternatif doit aller avec une conception de la vie autre. Tant que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tant que n'adhérez pas à des valeurs de la vie qui ne sont pas des valeurs finalement marchandes, tout simplement, qui sont des valeurs qui,
comment dirais-je, respecte ce qu'on peut appeler la vraie vie. Bon. Tant que les gens n'ont pas compris que la vie était un passage finalement assez rapide et qu'on n'emportait pas son smartphone dans la tombe, enfin jusqu'à, c'est rare, jusqu'à plus en plus formé, eh bien, il est absolument évident qu'on ne changera pas de vie. Donc, en fait, c'est vraiment une conception extrêmement différente qui doit être construite. Nous vivons sur, en fait, une construction qui a été faite par nos grands-parents, nos parents, nos arrière-grands-parents, pour vous, d'après-guerre, c'est-à-dire en fait des gens qui avaient été privés de tout dans leur jeunesse. Alors, vous savez, la vie, c'est un basculement. À partir du moment où vous êtes privés de tout, après la guerre, qui était quand même un moment de destruction absolument épouvantable, en particulier dans plusieurs continents et dans le continent européen, évidemment, vous avez une soif d'élaborer une société confortable, je veux dire. Et donc, ça s'est passé là à travers les biens matériels, ce qui est une réaction finalement de l'humanité assez normale et ça a fait la croissance. Aujourd'hui, devant ce qui nous attend, vous devez avoir la construction d'une société qui privilégie l'être à l'avoir. Et une des choses les plus inquiétantes qu'il y a, je trouve, en ce moment, c'est qu'on s'engueule sur l'être. Beaucoup, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir des sociétés apaisées sur l'essentiel, c'est-à-dire que tout sujet devient un sujet polémique, les sujets par exemple, comme on vient de le voir cette semaine, qui sont des sujets essentiels et qui sont plus des sujets sur l'être que sur l'avoir, c'est-à-dire les différences raciales, le respect de la vie, etc. Et si on n'arrive pas à construire une société qui sont des sociétés apaisées, qui sont des sociétés de dialogue à cause de ça, comment voulez-vous qu'on construise des modes de vie alternatifs, d'autant plus que l'ensemble de la société est construit, la société économique est construite sur l'attractivité de l'avoir. Ben merci. On essaie de rester positif malgré tout. Hein. Moi, j'étais très pessimiste. Hein. Oui. Je ne suis pas pessimiste à cause de vous, parce que je trouve que la conscience des jeunes, moi, je passe beaucoup, beaucoup de temps justement à parler à des générations telles que les vôtres. Et je pense que les gens, maintenant, ont envie de se retrousser les manches et ont envie de, comment dirais-je, de faire que les mesures soient de plus en plus concrètes. Et je pense que votre génération, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'elle essaye de mettre en accord les gestes de la vie personnelle avec les grandes injonctions internationales. Autrement dit, elle fait du vélo, elle veut essayer de prendre moins l'avion, elle fait attention à ce qu'elle mange, etc. Et ce n'est pas des petits gestes, comme on dit souvent en ricanant bêtement, ce n'est pas du tout ça. C'est le fait de mettre en accord sa vie personnelle avec les grands objectifs de l'humanité. Et ça a un intérêt très très important, c'est que si on faisait ça, eh bien, il y aurait beaucoup plus d'équité. C'est-à-dire que comment voulez-vous apprendre la sobriété au fur et à mesure que les inégalités se creusent? Malheureusement, elles se creusent trop. Et je crois que là, c'est vraiment un vecteur de changement très important. Le fait de combattre les inégalités. On va passer donc à la dernière question du public. Alors, de Patrick Lepot. Pensez-vous que l'économie sociale et solidaire soit atteignable dans un avenir proche? Ben d'abord, elle existe. Hein. Je veux dire, vous avez un secteur d'économie sociale et solidaire qui existe, qui s'agrandit, qui a maintenant sa loi. Tout ce qui est, comment dirais-je, alors, c'est pas dans l'économie sociale et solidaire, mais tout ce qui est la raison d'être, par exemple, quelque chose de très important avec la loi Pacte.
Là aussi, c'est le mot être, vous voyez, c'est quand même intéressant. Les entreprises se disent, bon, bah, on produit certes, on produit de l'avoir, mais qu'est-ce qu'on est ? Bon. Donc, vous avez un courant comme ça. Et surtout, vous avez dans l'économie sociale et solidaire toute la réflexion sur les sociétés à mission. Il ne faut surtout pas se désespérer et croire que les incidents, enfin, les gros accidents pour lui arriver au président de Danone, mettre le concept de société à mission en l'air, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a eu des tribunes très intéressantes, en particulier Blanche Crestin dans Le Monde là-dessus, où on dit la société à mission doit demeurer. Donc, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, je crois que ce secteur va considérablement augmenter au fur et à mesure des années, tout simplement parce que je pense qu'il y a beaucoup moins. Il n'y a pas de clivage, finalement. Il y a de moins en moins de clivage. Enfin, les gens aspirent à ce qu'il y ait de moins en moins de clivage entre ce qu'on appelle le bien commun et la production de biens privés. Donc ça, je crois que c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est que la partie solidaire de l'économie classique privée doit augmenter aussi. Et c'est ces deux facteurs. Autrement dit, ce que je trouverais moins dramatique, c'est que vous ayez un secteur qui soit l'économie sociale et solidaire, et puis un autre secteur qui soit le secteur du libéralisme échevelé, si j'ose dire. Ça, c'est pas possible, parce que du coup, ça veut dire forcément que l'économie sociale et solidaire sera écrasée par ça. Donc, l'économie sociale et solidaire comme concept, c'est un concept qui, je pense, a de l'avenir et qui, en fait, inspire les autres secteurs économiques. Sans ça, vous n'auriez pas ces volets de la loi Pacte avec en particulier l'idée de société à mission et l'idée de creuser ce qu'on appelle la raison d'être. Très bien. Bon, ben, nous arrivons à la fin de cette conférence. Merci, Madame Laville, d'avoir répondu présent à cette conférence. Merci beaucoup. Et merci à tous les spectateurs pour l'intérêt qu'ils ont porté à cette conférence. D'ailleurs, pour n'en rater aucune, n'hésitez pas à nous suivre sur nos principaux réseaux sociaux, donc que vous trouverez dans le lien de description de la vidéo. Et merci à tous et bonne fin de soirée. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Merci de votre écoute. Mine de rien. Et merci beaucoup, Madame Nadine. Militer pour la planète. Exactement.